très élevé. Le pan de sa robe remplissait le temple. De séraphin s'étenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec de pincettes. Amen. Thank you.
sinon nous ne pourrions pas être en ces lieux. Nous le bénissons et nous l'exaltons pour cela. Il est arrivé le moment que nous allons accueillir les hommes de Dieu, les hommes que Dieu a élevés en dignité. Nous allons devoir les honorer aussi. Voilà pourquoi nous allons demander à tout homme de Dieu, à toute femme de Dieu, de pouvoir se mettre debout afin que nous puissions vous accueillir. Si vous êtes là, prière de vous mettre debout. Homme de Dieu, femme de Dieu, les gens que Dieu a honorés en dignité, et on vous prions de vous mettre debout. Gloire à Jésus. Acclamez pour la gloire de Dieu. Donnez gloire à celui que Dieu a élevé. Il est le véritable et le tout-puissant. Alléluia. Je sais, bien aimé, que vous voulez savoir qui ils sont, comment ils s'appellent et de quelle église ils viennent. Voilà pourquoi je vais inviter des hommes que Dieu a mis à part pour son service. Nous vous accueillons dans le nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis, homme de Dieu. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous ce soir. Gloire à Jésus. Et je sais que les enfants de Dieu veulent bien vous connaître. Voilà pourquoi chacun, un après l'autre, vous allez pouvoir dire comment vous vous appelez et le nom de votre église. Papa, je commence par vous. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Où? Dans mon cœur. Alléluia. Amen. S'il est vivant, il est ressuscité dans ton cœur. Acclamez très fort pour Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Sans plus tarder, vraiment, je me présente. Je réponds au nom de Placide Kayoka. Je suis pasteur de l'église de la Compassion à Dramin. Amen. Hein? Amen. Et je termine par là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Moi, je viens de Pochegurun. C'est là où je sers Dieu dans l'église La Gloire de l'Éternel. Je me nomme Toumba Bilolo Clerbo. Me voici ici aujourd'hui pour cette occasion que Dieu veut faire quelque chose aujourd'hui dans cette église. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Hello, praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. I will speak in English. Je vais parler en anglais. And I introduce myself. Je vais me présenter. My name is Harrison, Pastor Harrison Makenga. Je suis Pasteur Harrison Makenga. And I come from Kenya. Je viens de Kenya. I've been serving the ministry called World Harvest International Ministry. Je servais Dieu dans une église. World Harvest. What la moisson mondiale. Back in Nairobi. En Nairobi. For a long time. Pendant longtemps, j'ai servi Dieu là-bas pendant un long moment. And now I came to Norway last year. Je suis venu en Norvège l'année passée. And by God's grace, I joined another ministry in Drammen. Et par la grâce de Dieu, je travaille maintenant dans un autre ministère à Drammen. Well, so I'm a pastor and it's called Jesus Deliverance Ministry. Je suis le pasteur à l'église Jesus Deliverance Ministry. La délivrance de Jésus-Christ. Le ministère de délivrance de Jésus-Christ. And it's a privilege to be with my brothers here. Ah, c'est un privilège d'être ensemble avec mes bien-aimés aujourd'hui. And my sisters also. Amen. And my sisters also. Et mes sœurs aussi. So and also I serve with Umoja Choir. Et je sers aussi avec la chorale de Umoja. We are there evangelizing everywhere with them. And nous, en Norvège, nous évangélisons dans tout le pays. So God bless you so much. Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Où? Dans mon cœur. Gloire à Jésus. Glory be to Jesus. Je réponds au nom de Pasteur Joshua Claude. My name is Pasteur Joshua Claude. Alléluia. Amen. Je travaille dans l'église de la réconciliation en Jésus-Christ. I'm working in the church called the Jesus Reconciliation. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Amen.
notre Dieu. Glory be to our God. Maintenant, je vais parler en tant que pasteur Dina et au nom de mon mari, parce que il vient de sortir, il prend les enfants à la maison. Donc, and now I'm going to speak as Pastor Dina because I am a pastor myself, and I'm going to speak on behalf of my husband because he has gone home because he has to take the children home. So, nous dirigeons l'église Hope Christian Fellowship. We are leading a church called Christian Fellowship. Hope Christian Fellowship. C'est là où le Seigneur nous a appelé. And this is the place where the Lord calls us to walk. Et pour sa gloire. And for his glory. Nous sommes là pour faire cette mission. For his glory, we are there to fulfill his mission. Nous sommes ici dans la joie. We are very happy to be here today. Avec notre famille. Today, together with our family. Pour célébrer. To celebrate. Et donner gloire à Dieu. And to give glory to God. Pour ce qu'il a fait aujourd'hui. For what he's going to do today. Nous sommes dans la joie. We are happy. Et nous donnons gloire à notre and Seigneur Jésus. And we give glory to our Lord Jesus. Vous bénisse. May God bless you. Praise the Lord. Amen. I will speak English too. Je vais parler en anglais. I'm happy to be here today. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. I don't know if you're happy to be here today. Je ne sais pas si tu es content d'être ici aujourd'hui. Are you happy to be here today? Est-ce que tu es content d'être ici aujourd'hui? If you're happy and si you know, say amen. Dis amen. If you're happy and you know, say amen. Amen. If you're happy and you know. And you really si tu es want content to show, et tu sais, if you're happy and you know, say amen. Dis amen. 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 Yes. I'm by the name of Christian. Mon nom c'est Christian. Christian Lokoto. Christian Lokoto. I come from a ministry called Ministry of Reconciliation and Building. Ministry of Reconciliation and Building. Donc je viens d'un ministère qui s'appelle le ministère de réconciliation et de construction. But I'm so happy that this is home. Je suis content parce que ici c'est aussi ma maison. This is home. Ça c'est la maison. This is the foundation. Ça c'est la fondation. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. God bless you. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Est-ce que ça n'a que pour nous que? Amen. Allez, forcément. Yeah. So, j'ai Baudouin Mounyampara. J'ai les derniers. Je m'appelle Baudouin Mounyampara et je conduis une église. Dramen. À Dramen. Somme j'ai été Mont Zion ministre. Qui s'appelle les Mont Zion à Dramen. Gud velsigne dere. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Comme mon nom est Berger Capi. My name is. My name is Chapat Capi. Ma femme est là, na ministère ya réconciliation. I'm praying and fellowshipping in the Church of Reconciliation. Oyo Pasteur Joshua Atambisa. Together with Pastor Joshua. This was it. Back there, yes. Together with Pastor Joshua. Zamba. May God bless you. Que le Saint dise Amen. Amen. May the Holy Spirit say Saint Amen. Encore Amen. Let them say it again. Le Saint acclame le roi de rois. Je réponds au nom de Jean-Paul Boleka. My name is Jean-Paul Boleka. Mais j'aime qu'on m'appelle Pasteur Paul. But I like that they call me Pastor Paul. Je viens de Munich. I'm from Munich. Je suis pasteur de l'église Temple d'Or. I'm a pastor of the church. Temple d'Or. Okay, Golden Temple. Qui signifie seulement le tabernacle. Which means the tabernacle. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Nous avons quelqu'un qui va devoir se présenter aussi. Nous avons un pasteur parmi nous. Donc c'est notre maman Lydie. Et le pasteur, elle va devoir se présenter aussi. Alléluia! Amen! Alléluia! Amen. Oui, je réponds au nom de Lydie Kayumba. My name is Lydie Kayumba. Kayumba is my family name. Mais ça fait longtemps qu'il y a quelqu'un qui m'a pris de quelque part. But there is sometimes bad that somebody took me from my family. Kayumba a disparu. So this Kayumba is no longer my name. Maintenant je suis Lydie Lokoto. So now I'm called the Lydie Lokoto. Amen. Amen. Le nom de mon mari. This is the name of my husband.
J'aime bien qu'on m'appelle Mama Lydie. I like that people call me Mama Lydie. Mais Dieu m'a fait grâce d'être sa servante. Yeah, I got the grace from the Lord to become his servant. Je suis pasteur. I'm a pastor. Dans le ministère de l'Arche de Réconciliation des Bâtisseurs. I am the pastor in the church of Ark of Reconciliation and the Building. Précisément en Uganda et à Kinshasa. In Uganda and in Kinshasa in Congo. Je bénis l'Éternel. I bless the Lord. Parce que si je suis là, because if I'm standing here today, je suis venu, I came honorer ce jour, to honor this day. Parce que je suis venu voir mon père. Because I came to visit my father. Spirituel. My spiritual father. L'apôtre Habakkuk. Apostle Habakkuk. C'est lui mon père. He is my father. Alors comme on a voulu consacrer un de mes petits frères. And because it's about the ordination of one of my younger brothers. Je ne pouvais pas manquer. I couldn't just miss the event. Oui, comme vous avez écouté tout à l'heure. As you have heard now. Il y a un pasteur qui s'est présenté dans le Lokoto. There is one of them who said that is also called the Lokoto. C'est mon fils. It's my son. Amen. Amen. Mon mari c'est un serviteur de Dieu. My husband is also a servant of God. Nous sommes venus toute la famille. We came all the family in this place. Parce qu'ils ont dit, nous allons partir chez grand-père. Because they said that we have to go to our grandfather's place. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer là. Because something is going to happen there. C'est quoi, je bénis l'Éternel. That's why I bless the Lord. Ici en Norvège, je suis à Mo i Rana. In Norway, I'm living in Mo i Rana, in the north. Nous servons l'Éternel d'une manière ou d'une autre. We are serving the Lord in one way or another. Avec des Norvégiens. Together with Norwegian people. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Bien-aimés, nous allons devoir vous présenter quelqu'un. Our brothers, we're going to present you somebody. Un homme que Dieu a aussi élevé en dignité. Somebody God has honored. Notre papa Théo. Our papa Théo. Que nous allons demander de pouvoir se mettre debout. That we're going to request him to stand peut-être up. Peut-être il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Maybe people that they don't know him. Et nous vous prions, papa. Nous vous prions, papa, de pouvoir venir devant pour pouvoir saluer les enfants de Dieu. You can just say hi to je sais qu'ils seront très contents de vous entendre un petit peu. They will be very happy to hear from you. Gloire à Jésus. Glory be to God. Amen. Amen. Je suis papa Théo. I'm papa Théo. Par la grâce de Dieu, by the grace of God. Mon épouse et moi, nous sommes les responsables du ministère chrétien du combat spirituel ici à Oslo. We are the responsible for the warfare ministry in Oslo. Tout ce que j'ai à vous dire, que nous vous aimons de l'amour de Jésus. All I want to say, I tell you, we love you with the love of God. La maison de Dieu, c'est notre maison. The house of God is our house. Amen. Amen. Son mari, le pasteur Habakkuk, c'est aussi un enfant de la maison du. Qui provient du ministère chrétien du combat spirituel. His house is also, the wife is. Yes. And me too. Yes. Amen. Amen. So my husband and me, we are from the spiritual warfare. Also, we are from that house. Amen. Amen. Donc c'est toujours la maison. So it's just the house. Nous vous bénissons et nous sommes aussi bénis de votre présence en ce lieu. We bless you and we are so blessed in your presence in this place. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Hear your voice. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse may tous. May God bless you all. Comme on a dit qu'un papa qui s'appelle Papa Edouard, c'est bien entendu moi. As I've said, you've said Papa Edouard, it's been heard very well. It's Papa me. Edouard, c'est le plus petit de tous les serviteurs de Dieu qui existent. Papa Edouard is the smallest servant of God that lives on earth. Et il n'a rien qui puisse être présenté devant le public de Dieu. He has nothing that to be shown before the children of God. Alléluia. Amen. Nous servons Dieu dans l'ombre. We serve God in number. Alléluia. Amen. Pour tout simplement pour que son nom soit glorifié. So that his name can be glorified. Amen. Alléluia. Amen. Actuellement ici en Norvège, je suis assis dans la maison de prière à Philadelphie. Actually in Norway I'm seated in the place of prayer Philadelphie. Et nous avec comme objectif de créer une grande armée du Seigneur qui puisse combattre. And our objective is to build a very big strong army of Jesus Christ to fight. Alléluia. Amen. Et je suis simple membre dans une église pentecôtiste en Essonne là où je vis. I'm also a member in the ministry I'm coming from.
In Isoden. Amen. May God bless you. Amen. Bless this day. Bien, aussi important que Dieu a aussi élevé dans ce qui est du monde aussi. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous avons parmi nous aujourd'hui le président des Congolais. Il se trouve parmi nous. Il s'appelle Papa Tito, que nous prions de vous lever afin que toute l'assemblée puisse vous voir et pouvoir vous saluer. Papa, nous vous prions de venir. Il est le président des Congolais ici en Norvège. Notre cher Papa, à qui nous allons demander de pouvoir saluer les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'amène mes salutations pour toute la communauté à travers ce séminaire. I bring the greetings of all community through this seminar. C'est une joie immense pour nous. This is a great joy for us. Pour avoir encore dans la famille chrétienne. To have in the Christian family. Une personne qui va encore aider les autres frères qui sont ici. Somebody who is going to join the club of man of God so that he can serve God and help the others. Pour l'évangélisation. For the evangelization of our Lord Jesus. Nous savons que nous sommes des étrangers ici. We know that we are foreigners in this country. Mais quand nous avons un nombre important. But when we have a VIP among us. Qui se poumonne pour faire évangéliser la foi chrétienne ici dans ce pays. Who can stand to bring faith to evangelize the faith in this country. C'est un honneur pour nous. This is an honor for all of us. Et nous tous, nous devons soutenir ce processus. And all together, we have to help for the process. Et nous disons merci beaucoup. And we thank. Surtout à l'apôtre. We are going to thank you to Apostle Habakkuk. Parce que à travers son encadrement. Because through his leadership. Dieu fait sortir de nouvelles personnes. Pour continuer cette œuvre. God is bringing out some other people who can continue the work of God. Et nous sommes contents. And we are happy for that. Et nous insistons et nous voulons encore. So we are just saying that we want que vous continuez dans ce sens-là, mais pas seulement dans notre milieu, mais dans le milieu extérieur, pour que le nom de notre pays à travers vous soit aussi connu. So we want you, we are bearing you, man of God. Amen. Not only to stop in Congolese community, but you have to go all over the world so that the name of Congo can be known. Merci through beaucoup. You. God bless you, thank you. Que les âmes soient sauvées d'abord. The souls be won. Et que se réjouissent de leur salut. And they get the joy in their salvation. Et qu'ils puissent régner dans la vie. And reign their life. Si je peux expliquer un tout petit peu. If I want to explain more. Cela veut dire ceci. That means. Quelqu'un est dans le monde. Somebody's in the world. Connaît pas Dieu. Doesn't know God. Et Dieu veut que les gens là soient sauvés. And God wants the people to be saved. Qui viennent dans le royaume de Dieu. Come in the kingdom of God. Et quand ils arrivent dans le royaume de and Dieu. When they come in the kingdom of God. Ils entrent dans un nouveau royaume. And they enter a new kingdom. Ils doivent maintenant se réjouir de leur salut. They must rejoice in their salvation. La vie. It's called reign in life. Il doit être au-dessus. Yes, be above. This is cela est sa position. That is his position. Voilà pourquoi nous parlons de régner dans la vie. That's why you're talking about reign in life. Parce que quand on devient chrétien. Because when you become a Christian, on n'est pas supposé de rester de la manière dont on était dans le monde. You're supposed to stay in the same way you're in the world. Il faut qu'il y ait un changement. There must be a change. C'est ça la vision du salut chrétien. That's the vision of salvation. Que les âmes soient sauvées. That souls be won. Que les sauvés maintenant se réjouissent de leur salut. That the saved may rejoice in their salvation. Et que les sauvés là puissent maintenant régner dans la vie. And the saved may be reign in life. Alléluia. Amen. Le salut chrétien a aussi une mission. Salvation. Christian salvation also has another mission. Donc la mission de salut chrétien est celle-ci. The mission of Christian salvation is this. De proclamer l'évangile de salut. To proclaim the salvation of, to proclaim the salvation. The gospel of salvation. The gospel of salvation. Et nous disons aux croyants de ce temps, donc la période que nous vivons. And we tell believers in this time you are living. De la fin des vies. Christ Jesus. Alléluia. Amen. Je vais devoir expliquer un tout petit peu. I will explain brief. Donc, de proclamer l'évangile. To proclaim the gospel. Parce que l'homme
Because man, il devient ce qu'il entend. Becomes what he, becomes what he was hearing. Ce qui peut le changer, I want to change him. C'est la parole qu'il écoute. It's the word I hear it. Qui va le transformer. That can transform him. Et de devenir des chrétiens qui vivent dans un réveil permanent. And become a Christian that lives in a permanent revival. C'est-à-dire, that means, quelqu'un qui donc qui vit la vie chrétienne chaque jour. The person who lives a Christian life daily. Chaque minute. Every time. Chaque seconde. Every second. Pas aujourd'hui on dort. Not today we're sleeping. Et demain on est réveillé. Mais l'objectif, la mission, c'est de pouvoir être un chrétien réveillé et qui vit dans un réveil permanent. But our objective and mission is that a Christian be always be awake and live in Christian life daily. Et puis aussi vivre dans l'intimité avec Dieu. And also live in unity with Christ Jesus. Vivre tout près de Dieu. Living close to God. Quelqu'un qui est toujours dans la prière. Somebody who's always in prayer. Quelqu'un qui se plaît à être dans la prière. Someone who is pleased being God's presence. Quelqu'un qui aime être dans la maison de Dieu. Someone who is wanting to be in God's house. Quelqu'un qui aime être où les choses de Dieu sont parlées. Someone who is wanting to be where God's word is being spoken. Et puis persévérer. And persevering. Voilà pourquoi nous avons le verset clé de notre salut chrétien. That's why we have this portion of scripture in salvation. Dans Luc 21:19. In Luke 21:19. Où il est écrit dans la Bible. Where it's written. Par votre persévérance. By your perseverance. Vous sauverez vos âmes. You shall win your soul. C'est ça le verset clé du salut chrétien. That's the mission. Fulfill our mission. Afin que la vision devienne une réalité. So that our vision become a reality. Dans la vie des croyants. In the lives of. Nous donnons deuxième objectif. Second objective. Nous donnons les enseignements. We give teachings. De la base chrétienne. Based on Christ. Pour s'asseoir solidement sur la fondation qui est Jésus. So that you may know the foundation of Jesus Christ. Donc on ne peut pas s'asseoir si on ne peut pas être fort. You cannot be strong. Si la fondation n'est pas forte. If the foundation is not strong. Parce que la force d'une maison. Because the strength of a house. Dépend de sa fondation. Depends on its foundation. Si la fondation est forte. If the foundation is strong. Si la fondation est solide. If the foundation is solid. C'est alors que la maison sera aussi solide. That's when the house can be very strong. Pour pouvoir être un chrétien solide. For you to be a solid Christian. On a besoin de recevoir des enseignements. You must receive teachings. Et nous parlons des enseignements de base. And we're talking about best teachings. Donc ces enseignements qui te bâtissent dès le commencement. The teaching that can build from the beginning. Qui font que quand même le vent vient that contre makes, toi. Even when the storm comes against you. Donc tu peux encore tenir debout. You can still stand up. Alléluia. Amen. Nous avons bien vu des moments, des gens, des hommes, des croyants. We have seen great men, strong men. Qui, à cause d'une tempête, à cause d'une situation difficile qui arrive dans leur vie, because of the storm, the circumstances that come in their lives, ils se fatiguent, they get tired, ils abandonnent, they give up, et puis ils oublient Dieu complètement. And they forget about God everything. Voilà pourquoi il est important. That's why it's important. De pouvoir être bâti, to be built, spirituellement. Spiritually. Et nous, voilà pourquoi nous donnons ces enseignements de base. That's why we give these basic teachings. Pour pouvoir bâtir des chrétiens, to build Christians, qui seront forts, that will be very strong, même devant les tempêtes. Parce que les tempêtes viennent toujours. Storms always come. Alléluia. Amen. Et le troisième objectif. And the third objective. C'est donner des enseignements. Is to give teachings. De la croissance chrétienne. To Christian belief. The growth. Christian growth. De la croissance chrétienne. Christian growth. Pour que everyone can be found. Et puis se bénéficier de ses droits. And enjoy the benefits. Dans le royaume de Dieu. In Christ Jesus, in the kingdom of Christ. Un chrétien est appelé à croître. A Christian is called to grow. Parce que quand tu viens au Seigneur, tu es un bébé spirituel. Because when you come to Christ, you're a baby spiritually. Mais tu n'es pas censé rester bébé éternellement. You're not meant to remain baby. Tu dois grandir. You must grow. Et dans le royaume de Dieu. And in the kingdom of God. Ce qui peut faire grandir quelqu'un. What can make someone grow? Ce sont seulement les enseignements. It's only the teachings. Alléluia. Amen. Et le quatrième. And the fourth. Nous donnons aussi les enseignements de la maturité chrétienne. We give teachings on maturity, Christian's maturity. Pour que chacun arrive à servir Dieu. So that everyone can serve God. Avec son appel. With his calling. Et ses dons. And his gift. Donc à la fin, nous devons avoir des chrétiens qui sont mûrs. So in the end, we must have Christians who are right. Avec l'objectif de servir Dieu. With the objectives of serving God. Avec les dons que Dieu a mis dans chacun. With the gift that God has given to everybody. Et le cinquième objectif. And the fifth.
C'est organiser des séances de prières persévérantes. Organizing prayers, pacifist prayers. Pour amener chaque croyant. To bring every believer. À vivre dans la présence de Dieu. To live in the presence of God. Alléluia. Amen. Donc voilà un peu en gros bien aimé. Vous qui êtes venus pour la première fois par exemple. So for you who have come for the first time, for example. Voilà un peu en résumé. This is brief. La vision. The vision. La mission. The mission. Et les objectifs du salut chrétien. Objectives of Christian salvation. Ça vous permet quand même d'avoir une idée de ce que nous faisons ici. It gives you a brief to have a brief image of what you're doing here. Yeah, donc voilà pourquoi même l'église s'appelle Salut Chrétien. That's why it's called Christian Salvation. Mm. Alléluia. Amen. Donc bien-aimés, soyez bénis. Donc vous avez quand même une idée de ce qui se passe ici. Beloved, be blessed so that you have at least an imagination of what's happening.